l'incomparable. Il est l'admirable. Il est le conseiller. Le Dieu puissant. Le Père éternel. Nous lui donnons beaucoup de place. Nous l'acclamons. C'est lui notre Dieu. Si nous sommes en vie, c'est grâce à lui. Amen. Vous pouvez dire amen à cela? Amen. Que son nom soit loué. Amen. Amen. Alors que nous sommes encore debout, nous allons trouver la parole de Dieu. Nous ouvrons la Bible pour lire la parole de Dieu. Nous prenons dans les livres d'Ésaïe. Nous prenons les quatre premiers versets d'Ésaïe 60. Amen. Nous allons prendre l'Ésaïe 60 et puis nous allons dans les livres de Saint Matthieu. Lisons tous ensemble, Ésaïe chapitre 60, à partir du premier verset jusqu'au verset 4. Lisons ensemble, au nom du Seigneur Jésus. Lève-toi, toi éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité est belle. Mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît, et les nations marchent à ta lumière, et les devoirs à ta clarté de tes rayons. Porte les yeux par l'entour, et regarde, ils s'enfoncent, ils reviennent sur toi. Tes fils habitent les droits, et tes fils sont portés sur les bras. Amen. Amen. Nous prenons aussi Matthieu, chapitre 5. L'évangile de Saint Matthieu, chapitre 5. Nous commençons à partir du verset 8 jusqu'au verset 16. Matthieu chapitre 5, du verset 8 jusqu'au verset 16. Lisons la parole de Dieu, mon Seigneur. Heureux celui qui a le cœur pur, car il est mon Dieu. Heureux celui qui procure la paix, car il sera béni sur Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume juste est établi. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans la détresse, parce que votre récompense est dans le monde de Jésus. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant. Amen. Amen. Okay. Nous pouvons continuer encore un peu jusqu'au verset 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la viande va pondre? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors. Et filez au pied de la maison. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne serait de chercher. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous ses moissons, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient vos contraires dans les cieux. Amen. Amen. Nous allons éclairer nos têtes pour notre prière. Notre bienveillant Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin pour le privilège que nous avons de venir dans ta maison. Nous avons chanté pour ton honneur, nous avons chanté pour ta gloire et pour ta louange. Ainsi, Père, nous attendons maintenant que tu nous parles. Si quelque part nous avons failli, nous te prions de nous pardonner. Et que le sang versé à Golgotha puisse servir d'expiation pour ôter tout péché au milieu de nous. Amen. Et que ta grâce, ta miséricorde nous soit encore accordée afin que nous puissions bénéficier de ta présence. Amen. Ta présence qui guérit, ta présence qui délivre, ta présence qui transforme.
ta présence qui change, ta présence qui exauce et qui encourage. Fais-nous cette grâce. Bénis ma parole que nous venons de lire. Mets-moi de côté que par le Saint-Esprit que tu entres pour parler à ton peuple et que ce moment soit encore profitable, Seigneur. Parle au cœur de tout un chacun. Tu connais les requêtes enfouies dans le cœur de tout un chacun. Tu connais la préoccupation et les besoins de tes enfants. Viens répondre, car la parole de Dieu discerne les pensées et les intentions du cœur. Fais cela pour la gloire de ton Saint-Nom. Que ta lumière nous éclaire ces jours, afin que nous puissions mourir à nous-mêmes et revivre en toi. Fais-nous grâce alors que nous attendons à toi, dans les précieux merveilleux noms de ton Fils Jésus-Christ, nous te l'avons ainsi prié et demandé. Amen. 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 Dieu vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse richement. Ah, je n'ai pas entendu vos amen. Amen. Ah, vous êtes fatigué? Non. Ah, vous êtes en forme? Amen. Ah, je suis très content de voir la sœur Luce parmi nous. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Ah, je suis très content. Ça fait combien de temps vous êtes au Maroc? Depuis un mois. Ah, depuis un mois? Wow. Merci. Ah, d'accord. Gloire à Dieu. Nous sommes ravis d'avoir. Bien-aimé, je vois aussi ma soeur Jackie là-bas et la soeur ici. Ah, bon, que Dieu vous bénisse vous tous, parce que ça fait longtemps qu'on n'a plus des réunions dans cette salle, hein, que tout le monde comme ça, maintenant que nous sommes en pleine méditation d'arranger la salle, je suis content de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Amen. Ainsi, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre bien-aimé frère Proche-Cœur. C'était hier normalement, mais bon, il avait souhaité faire un témoignage. Et après ces témoignages-là, bon, il a pensé vraiment partager un petit rien vraiment avec les frères. Il dit bon, que Dieu soit loué pour cela. Et à l'occasion de cet anniversaire, j'ai eu une inspiration. Sur ça, alors j'ai dit bon, peut-être on pourra apporter un petit message d'anniversaire afin que nous puissions encore servir le Seigneur dans le reste du temps qui est devant nous. Amen. Amen. Ainsi, nous allons parler juste d'un petit sujet et puis nous allons chanter, encourager notre frère et puis partir dans la maison. Amen. Amen. Ainsi, je ne sais pas par où commencer, mais bon, je commence déjà à souhaiter les joyeux anniversaires à mon frère. Merci. Que Dieu les bénisse richement. Amen. 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 Ainsi, j'ai appris une petite habitude que chaque fois qu'il y a un anniversaire, il y a un petit sermon d'exhortation, d'encouragement que j'aime bien. Ça m'a rappelé lors de l'anniversaire d'Acacia. J'avais apporté un message par rapport à son anniversaire. J'ai pris juste un passage de la Bible dans Éphésiens, là où ça dit « Enfant, honore ton père et ta mère. » Amen. Et là, j'ai donné ce serment-là, ça coïncidait avec l'anniversaire de la fille du pasteur Barnaba, et j'ai prêché « Honore ton père et ta mère. » Amen. Afin que tu vives longtemps. Amen. Et dans ce message-là, Frère Branham nous a montré que la seule manière d'honorer notre parent, parce que je montrais sur la terre, dans la facette naturelle et dans la facette spirituelle. Amen. Quand on veut honorer le Père dans le naturel, Frère Branham dit que c'est faire la volonté de ton Père. Amen. Amen. Si Dieu nous demande pour que nous puissions vivre longtemps sur la terre, que nous puissions honorer nos parents en faisant leur volonté, il t'envoie pour étudier, tu vas étudier. Il t'envoie faire ceci, tu vas faire ce qui est donc. Quand tu es obéissant, Dieu sera content de ça. Alors, il va prolonger la durée de ta vie sur la terre. Amen. Et ça, c'est dans le naturel. Maintenant, dans le spirituel, honore ton Père, ça veut dire honore notre Père céleste. Amen. Amen. L'honorer, c'est faire la volonté du Père. Amen. Et la volonté de Dieu, c'est sa parole. Amen. Quand nous accomplissons la volonté ou la parole de Dieu dans notre vie, alors Dieu va nous prolonger une vie qui ne sera pas limitée, mais une vie éternelle. Exact. Amen. Amen. C'est pourquoi faire la volonté du Père, c'est pourquoi même le Seigneur Jésus, en nous demandant, en apprenant à ses disciples à prier, il a dit, priez comme ceci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ensuite, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Que ta volonté soit
soit faite sur la terre. L'autre fois, j'ai montré que la terre en question, il s'agit de nos corps. Savez-vous que nos corps sont faits de la terre? Amen. Nous sommes les poussières de la terre. Nous sommes poussières, nous retournerons à la terre. Amen. Amen. Donc, que ta volonté soit faite sur la terre, comme ça se fait dans les ciels. Amen. Amen. Quand la volonté de Dieu commence à s'appliquer dans notre corps, dans notre esprit et dans notre âme, à ce moment, la volonté du Père est accomplie sur la terre. Amen. Amen. Parce que la terre, là où on veut voir la volonté de Dieu, ce n'est pas la terre comme ça, mais on veut le voir dans le corps de terre comme ça. Amen. Amen. La volonté de Dieu qui veut que le Fils de Dieu se comporte d'une certaine manière, alors que la volonté du monde veut que les gens vivent selon le monde, selon les plaisirs du monde, selon la mode du monde, selon les habitudes du monde et tout ça. Mais la volonté de Dieu veut que le Fils de Dieu marche selon sa parole. Et quand il y a des corps de terre qui prennent la volonté de Dieu et qui commencent à obéir à la parole de Dieu, Dieu dira que voici ma volonté sur la terre. Amen. Amen. Qui veut que la volonté de Dieu s'accomplisse sur sa terre? Amen. Amen. Ça, c'est de cette manière que la volonté du Père peut s'accomplir sur la terre. Et Dieu sera glorifié en cela. Amen. Amen. Et ça me rappelle encore dans l'anniversaire des petits garçons de Pasteur Barnabas, c'était bébé Jonathan. Ben, et là j'ai apporté encore un autre petit message. Laissez venir à moi des enfants, car le royaume des cieux est semblable et comparable à ce qui est récent. Amen. Amen. Et là nous avons montré que les enfants, ils ont une particularité. Amen. Oui. Les enfants, tout ce dont ils ont besoin pour demander quoi que ce soit, ils crient, ils pleurent et tout ça parce que c'est leur seule manière de demander ou de faire savoir leurs besoins. Amen. Amen. Et Dieu montre que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être comme l'un de ses enfants. Amen. Amen. Pour dire en d'autres termes, en tant qu'enfant de Dieu, le seul moyen que nous avons pour pouvoir demander ou exprimer nos besoins devant Dieu, c'est dans la prière. Amen. Amen. Tu as tel besoin, tu as tel souci qui te dérange. Ne va pas te tracasser, à te lamenter, à dire ceci. Mais prends ton souci, ramène ça à Dieu dans la prière. Avons-nous épreuve, tentation? Y a-t-il trouble quelque part? Ne perdons jamais courage. Amenons tout au Seigneur. Amen. Amen. Si le monde t'est privé de son argent et son or, et que tu dois vivre misérablement, amen, souviens-toi dans sa parole, il nourrit même les oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Amen. Amen. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui sa confiance et il agira. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Amen. Tu as des troubles, tu as des problèmes qui ne marchent pas, les affaires, les projets, il y a trop de choses qui te troublent. Amen. Tu n'as même plus le courage d'aller lire la Bible ou quoi que ce soit. Amen. Prends ça, mets-toi à genoux. Dépose ça, prends ce fardeau, dépose ça à la prière. Amen. Pleure devant Dieu dans la prière. Amen. Tu verras comment Dieu verra tes larmes. Amen. Tu verras comment Dieu te l'accordera. Savez-vous comment le prophète Samuel est venu sur la terre? Sa mère était stérile. Elle n'enfantait pas. Mais sa mère a compris que, alors que l'autre femme de son mari l'a mortifiée dans beaucoup de paroles qui n'étaient pas bien et tout ça. Mais elle avait compris que le meilleur endroit pour aller exprimer ses désirs, c'était d'aller dans les temples. Amen. Aller dans la maison de Dieu. Elle est allée là-bas. Elle a commencé à prier, à pleurer, à pleurer devant Dieu, tout ça. Même les sacrificateurs pensaient qu'elle était ivre pour ce soir. Elle a dit non. Je viens répandre mon âme devant Dieu. Amen. J'ai tel besoin devant Dieu. Lui qui connaît mon besoin, je viens lui témoigner. Je cherche l'enfant. Je n'ai pas l'enfant. Mais je sais que c'est lui qui donne des enfants. Amen. Qui me l'accorde. Et Dieu l'a exaucé. Amen. Et le sacrificateur a dit, lève-toi, va, Dieu va exaucer ta prière. Amen. Elle est partie, elle dit, elle a fait un vœu au Seigneur. Amen. Seigneur, si tu me donnes un enfant, Amen, je consacrerai cet enfant-là. Amen. Dieu dit, ah, Dieu aime les choses comme Amen. Ça. Tu demandes à Dieu quelque chose, mais donne aussi la part de Dieu. Amen. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, pour décrocher de gros marchés, il faut donner des pourcentages à ceux qui vous donnent des marchés. Amen. N'est-ce pas? Amen. Toi, tu vas demander le marché
de construction de route et tout ça, quelle portion, quel pourcentage, quel prix tu vas donner? Tu demandes à Dieu de te donner tellement, c'est telle bénédiction, mais il faut que Dieu aussi ait sa part. Amen. 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 Seigneur, je vais te donner tel pourcentage, je veux telle promesse, tel vœu. Dieu dit, ah bon, j'aurai ma part. Ok, d'accord. Marché conclu. Amen. Il va te bénir. Quand il te bénit, maintenant il s'attend à ce que toi aussi tu tiennes à ta parole. Amen. Amen. Vous savez, les guerres dans nos pays là, pourquoi? C'est parce que les gens qui ont signé des contrats n'ont pas voulu honorer leurs contrats. Ils accèdent au pouvoir par la rébellion et tout ça. On leur met là-bas, mais maintenant, bon, écoutez, tu as pris le pouvoir, maintenant donne-nous notre part. Oh non, tout ça. Oh petit, toi tu vas nous dépasser. Bon, d'accord, tu verras. Alors, une autre forme de rébellion va s'élever. Pourquoi? La source, c'est qu'il y a des contrats qui ont été signés qui n'ont pas été honorés. Exact. Et vous comprenez? Mais si toi tu suis le contrat avec le Dieu du ciel, honore tes vœux. Amen. Tu verras ce que Dieu fera. Amen. Tu as demandé le travail. Dieu te donne du travail. Pense à lui, à ses dignes. Amen. Tu as demandé le mariage à Dieu, tout ça. Pense à lui, à une vie de consécration. Amen. Tu as demandé l'intelligence, le travail. Pense à lui dans tout ce que Dieu te donne. Amen. Amen. La santé que Dieu te donne, il veut que tu lui accordes une part. Amen. L'intelligence qu'il te donne, il a besoin d'une part. Amen. Tout ce chaque talent qu'il met à ta faveur, il a besoin d'avoir une gloire dans cela. Amen. Parce que Dieu ne veut pas partager sa gloire avec personne. Il veut garder sa gloire pour lui-même. Amen. C'est pourquoi dans chaque chose qu'il te donne, alors pense à Dieu dans la chose que Dieu t'a donnée. Nous disons amen à cela. Amen. Donc ça c'était pour dire que chaque fois que nous, enfants de Dieu, nous avons des besoins, des soucis, nous devons pleurer devant Dieu, exprimer ça devant Dieu dans la prière. Parce que la prière c'est la force du croyant. Amen. La prière c'est la force des chrétiens. C'est dans la prière que nous obtenons tout ce dont nous avons besoin. Tu peux dire que, oh non, moi je n'ai pas prié, mais j'ai eu ceci, tu ne sais pas. Soit tu as signé des pactes avec les diables, ou bien dès que tu l'as eu, ça sera ravi facilement. Amen. Mais quand c'est Dieu qui te l'accorde, qui sera l'adversaire de tes adversaires. Amen. C'est lui qui va combattre ceux qui viennent te combattre. Amen. Tu ne comprends pas, mais j'ai eu trop de problèmes de secousses, mais ça s'est calmé. Tu ne sais pas quelle est la main visible qui a combattu pour toi. Amen. Amen. C'est pourquoi dans chaque chose, bonne ou mauvaise, rendons gloire à Dieu. Amen. Nous disons amen à cela. Amen. Ainsi, je pensais maintenant, ah, ça c'était les deux anniversaires passés maintenant. Il y aura encore, il y a maintenant un autre anniversaire, Seigneur. Est-ce que je vais continuer dans les enseignements et tout ça? Bon. Et dit, bon, pendant que j'étais là, en train de penser de mon message, moi j'allais continuer aujourd'hui sur le message d'hier, la patience, la vertu patience que nous avons introduit. Alors, il y a une inspiration qui m'est venue pour revenir à un petit message qui sera peut-être juste une exhortation pour notre frère, mais je crois que ça sera pour tous les enfants de Dieu aussi. Amen. Amen. Parce que nous croyons, la Bible dit que quand un membre du corps se réjouit, c'est tout le corps qui se réjouit. Amen. Quand un membre du corps est malade, c'est tout le corps qui est malade. Amen. Amen. Ainsi, nous allons nous réjouir avec notre bien-aimé frère. Donc, c'est vous qui allez prêcher à ma place. Parce que je vais prêcher pour vous. Amen. Amen. Donc, je vais prêcher sur vous. Vous allez me dire, mais ah, il faut prêcher Dieu, mais pour moi, prêcher sur vous. Vous savez, Jésus aussi, parfois, il prêchait au sujet de l'homme. Le savez-vous? Amen. Est-ce que vous avez déjà lu ça dans la Bible? Amen. Nous allons lire ça rapidement dans Jean. Amen. Alors, Jean chapitre 1er. Donc, ah, là je suis dans Jean, je voulais dire dans Matthieu, je vais prendre ici. Je prends ça aussi dans Matthieu chapitre. Onze.
Alors, vous pouvez commencer à partir du premier verset. Matthieu chapitre 11, à partir du verset 7. Comme il s'en allait, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet de le sujet du discours de Jésus, de la prédication de Jésus. C'était quoi le sujet? Jean-Baptiste. Ah, c'est compliqué. Pourquoi il a parlé par sujet de Dieu? Comme il s'en allait, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet de Jean. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits somptueux précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans des maisons de rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Amen. Car c'est lui dont il est écrit: voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Amen. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point parmi les plus grands que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Amen. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Amen. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Amen. Amen. Donc vous voyez que, frère, la Bible nous dit que Jésus-Christ commençait à prêcher la foule. Non pas au sujet de Dieu, non pas au sujet de qui que ce soit, mais au sujet des gens. Mais remarquez qu'il connaît l'entrée dans le royaume des cieux à Jean. Amen. Amen. Le royaume des cieux, depuis les temps et tout ça jusqu'à Jean, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Mais le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. Mais il est le plus grand de tous les prophètes. Il est un prophète et plus qu'un prophète. Mais si vous allez demander à Jean lui-même, il va dire, êtes-vous prophète? Il va dire non. Vous comprenez? Donc, pour dire que l'accès dans le royaume des cieux, Dieu a envoyé ses messagers. Et ces messagers-là, ils sont les canaux par lesquels vous pouvez accéder dans le royaume des cieux. Amen. Vous comprenez? Amen. Les canaux, c'est quoi? Les canaux, c'est comme un tuyau. Vous comprenez? Pour pouvoir faire parvenir, par exemple, l'eau pour atteindre quelque part. Vous comprenez? Maintenant, ce tuyau-là, ce n'est pas ça l'eau, mais l'eau passe par les tuyaux. Amen. Vous comprenez? Et le canal de la vie éternelle, ce sont ces messagers-là. Amen. La vie éternelle passe par les messagers pour atteindre le peuple. Amen. Mais sans le tuyau, l'eau ne peut pas atteindre l'objectif. Sinon, ça va se gaspiller, ça va causer des dommages, ça va faire des fuites et tout ça. Mais pour éviter les fuites et tout ça, il faut que ça soit canalisé. Amen. Et vous comprenez? Et la vie éternelle doit être canalisée pour atteindre le peuple de Dieu. Et les canaux ou la tuyauterie de Dieu, ce sont ses messagers. Amen. Vous disons amen à cela? Amen. Donc, ils sont très importants. Sans cela, alors, la vie éternelle ne peut pas atteindre quelqu'un. Souvenez-vous que Pierre était aussi ce canal-là par lequel la vie éternelle devait atteindre le Corneille, vous comprenez? Amen. Il a prié pour avoir le Saint-Esprit, mais Dieu lui a envoyé l'adresse. Que l'on va chercher un certain Simon-Pierre qui habite à Joppé, dans une ville de Joppé, chez un certain Simon le Corailleur. Tu le ramènes, c'est par lui que le Saint-Esprit peut t'atteindre. Et vous comprenez? Amen. Donc ça, c'est le principe de Dieu. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Notre message, ma petite exhortation sera: lève-toi et sois éclairé, car tu es la lumière du monde. Amen. Amen. Lève-toi et sois éclairé. Ou en quelque sorte, lève-toi et resplendis. Ah, ça c'est la meilleure phrase. Lève-toi et resplendis, car tu es la lumière du monde. Et vous comprenez ce que je veux dire? Amen. C'est ça mon exhortation pour le frère. C'est mon exhortation pour le frère. C'est mon exhortation pour la sœur. Ainsi de suite pour tout le peuple de Dieu. Amen. Lève-toi et sois éclairé. Alors, allons rapidement. D'abord dans Ésaïe
Ésaïe 60 vient de nous dire quelque chose de très important. Amen. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé car ta lumière est arrivée, ou car ta lumière est venue. Et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Amen. Mais sur toi, l'Éternel s'est levé. Sur toi, sa gloire apparaît. Vous êtes avec moi? Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux aux alentours et regarde. Tous, ils s'assemblent et viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Amen. Amen. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est venue. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Qu'est-ce qu'on parle de la lumière? Quand on parle de la lumière, d'abord, c'est quoi? Je vais déjà vous dire directement que la lumière n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Amen. Dieu n'est rien d'autre que la lumière. Et quand on parle de la lumière, ou bien le soleil de la justice, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et quand on parle de cette lumière-là, c'est toujours Dieu qui agit d'une certaine manière. Alors là, je serai un peu beaucoup plus direct pour ne pas perdre beaucoup de temps. Qu'est-ce qui se passe? Dieu, pour éclairer le monde, amen, il a montré les types depuis Genèse, dès le commencement. Amen. Je vais attirer votre attention sur quelque chose peut-être que vous n'avez jamais observé. Je vais vous poser la question. Quand est-ce que Dieu a placé le soleil lors de la création? C'était quel quantième jour? Ah, vous n'avez jamais pensé à ça. Mais je vais vous expliquer. Avant que le monde ne commence, il y avait déjà un soleil qui existait. Amen. Amen. Mais vous allez voir que le premier jour, Dieu n'a pas placé le soleil. Le deuxième jour, il n'a pas placé le soleil. Le troisième jour, il n'a pas placé le soleil. C'était le quatrième jour qu'il a mis des luminaires. Amen. Lisons ça. Mais pourquoi, frère Jésus me dit toutes ces choses? C'est quelque chose de très important. Alors, je vais prendre rapidement dans Genèse. Alors, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. N'est-ce pas? Amen. Ça, c'est tout ce qui a été fait au commencement. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Un terrain vraiment, il n'y a rien à vide. Amen. Et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Est-ce qu'il y avait la lumière? Non. Il n'y avait que les ténèbres. N'est-ce pas? Amen. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres la nuit. Ainsi, il eut un soir et un matin. Ce fut les premiers jours. N'est-ce pas? Amen. Dieu a mis la lumière, il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Dieu n'a pas placé la lumière. Mais les ténèbres étaient là. Dieu a séparé les ténèbres de la lumière. Est-ce que vous me comprenez? Amen. La lumière existait déjà. Mais le premier jour, il est venu séparer la lumière des ténèbres. Amen. Parce que quand il a créé les cieux et la terre, il y avait l'obscurité. Est-ce que c'est clair? Amen. On continue. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel et ainsi il y eut un soir et il y eut un matin et ce fut le deuxième jour. N'est-ce pas? Amen. Verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fit ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la mer des eaux mer.
Dieu vit que c'était bon, et puis Dieu dit que la terre produise la verdure, ainsi de suite, et tout ça. N'est-ce pas? Amen. Et la terre produisit, et tout ça, le verset 13, la terre produisit la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et les arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence, et tout ça. Dieu vit que c'était bon, ainsi il y a un matin et une soir, et il y a un matin, ce fut le troisième jour. Amen. Amen. Le verset 14. Vous voulez l'ensemble? Amen. Allons-y. Dans son monde. Il a mis des luminaires. Est-ce que vous comprenez? Le jour, il a mis un luminaire et le soir, il y en avait aussi. L'autre pour présider le jour, l'autre pour présider la nuit. Ça, c'était le quatrième jour. Amen. Un jour, c'est 1000 ans. Amen. Deux jours, c'est 2000 ans. Trois jours, c'est 3000 ans. Et quatre jours, c'est 4000 ans. Ah, très bien. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ, qui est le soleil de la justice, est venu 4000 ans depuis la création du monde. Amen. 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 Depuis Adam jusqu'au temps de Noé, c'était 2000 ans. Depuis le temps de Noé jusqu'au temps de Jésus-Christ, c'était 2000 ans. Donc d'Adam jusqu'à Jésus, c'était 4000 ans. Et c'est en nous qu'on a vu une personne dire que je suis la lumière du monde. Personne n'avait dit cela avant lui. Amen. C'est à ce moment-là qu'il est venu parce que Dieu devait illuminer sa terre. Amen. Depuis que les ténèbres sont entrées sur la terre, les péchés sont entrés sur la terre, l'homme a vécu dans les ténèbres tout au long de tout ce monde-là. On a chassé avec tout ça, il n'y a plus jamais eu la lumière pour Dieu. Mais jusqu'à ce que lui-même, il est venu établir la lumière, il a mis le luminaire sur la terre. Et ce soleil-là que Dieu a mis, il devait faire un voyage. Vous êtes avec moi? Amen. Le voyage de ce soleil, il doit quitter l'Orient et il doit s'élever en Orient, il doit se coucher en Occident. Vous êtes avec moi? Amen. Ça, c'est des bases, mais qui sont profondes. Mais je crois que Dieu aidera à ce que prochainement vous puissiez saisir cela. Amen. Parce que je veux parler de votre lumière qui doit briller. Amen. Vous devez comprendre ce que Dieu nous demande. C'est un ordre. Que ta lumière brille. Amen. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est venue. Mm-hmm. Alors tu dois comprendre quelle est cette lumière qui est venue. Amen. Amen. Dans Psaume chapitre 19, nous pouvons lire rapidement, la Bible nous dit quelque chose de très intéressant. Vous êtes avec moi? Amen. Psaume chapitre 19, la Bible dit, je peux commencer, voilà, à partir du verset 6, si tout va bien. Écoutez, je commence à partir du verset 2. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Donc, depuis le ciel, donc, il y a déjà la gloire de Dieu qui est racontée. Et l'étendue manifeste et les œuvres de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont les sons ne soient point entendus. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, ce soleil, verset 6, écoutez, est le soleil semblable à un épée.
Amen. Ce soleil dont on parle, il est aussi un époux. Amen. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Amen. Un soleil qui est un époux. Il sort de sa chambre, se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il s'élève à une extrémité des cieux. Quelle extrémité? L'Orient. De l'Orient. Amen. Amen. Et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe de sa chaleur. Amen. La loi de l'Éternel est parfaite et elle restaure l'âme. Amen. Amen. Et... Donc ce soleil, il doit d'abord s'élever parce que Dieu veut manifester sa gloire. Il veut d'abord montrer que c'est lui-même qui est la lumière. Alors il montre comment il est la lumière. Il est celui qui doit s'élever en Orient. Jésus-Christ, lors de sa naissance, il est né en Orient. Amen. Amen. Et il doit achever sa course vers l'Occident. Amen. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 24, comme l'éclair paraît et brille, les resplendit de l'Orient et se montre en Occident, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ, lors de sa première venue, il est venu comme étant la lumière. Amen. Nous allons lire rapidement pour montrer que quand il est venu, il était cette lumière qui a brillé. Nous allons rapidement d'abord dans Matthieu chapitre 4. Vous êtes avec moi? Amen. Le peuple de Zablon et de Nephtali, ce peuple qui habitait dans les ténèbres, dans la région des ténèbres, a vu une grande lumière s'élever. Matthieu chapitre 4. La Bible dit, là, après la tentation de Jésus, c'est Marc. Pardon? Dans Matthieu chapitre 4, nous commençons à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. La Bible dit, Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Jésus-Christ s'est déplacé de là où il était pour aller dans cette région-là, juste pour accomplir cette prophétie. Amen. Pour que le peuple qui était dans les ténèbres voie la grande lumière. Quel est l'astre qui donne la plus de grande lumière? C'est le soleil. Amen. Amen. Et vous comprenez? Il était ce soleil qui est venu pour que ceux qui l'ont vu puissent voir le soleil levant. Amen. Et allons encore dans Luc, lors de la naissance de Jean-Baptiste. Luc chapitre, prenons de prendre. Grâce aux entrailles de la miséricorde. Vous êtes avec moi? Amen. De notre Dieu et en vertu selon laquelle le soleil levant nous a visités. Vous êtes avec moi? Amen. Luc chapitre 1, le verset. Nous prenons à partir du verset 16, 76. Amen. On parle de la prophétie, ça c'est l'ange qui est en train de prophétiser sur la naissance de cet enfant Jean-Baptiste. Il parle de qui c'est que sera cet enfant-là. Il parle, je commence à partir du verset 75. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice dans tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut. Amen. Et le pardon de ses péchés. Amen. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu et en vertu selon laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Alléluia. Amen. Amen. Donc quand Jean-Baptiste était venu, il était venu pour montrer au peuple le salut. Ce salut-là était venu grâce au soleil levant. Jésus-Christ, quand il était venu, c'était le
soleil qui s'était levé. Amen. Amen. Et comme il était le soleil qui s'était levé, il est venu avec la guérison sous ses ailes. Amen. La guérison, c'est le synonyme du salut. Amen. Et le peuple qui a vu cette grande lumière s'élever, c'était ce peuple-là qui a reçu le salut. Amen. Ceux qui ont reçu Jésus-Christ quand il était venu à sa première venue en Orient là-bas, c'est le peuple qui a reçu le salut. Amen. Voilà pourquoi maintenant dans Jean chapitre 1er, la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole était la lumière. Le savez-vous? Amen. Elle était dans le monde. Le monde était tout ça. Nous voulons lire ça rapidement. Jean 1er. Au commencement était la parole. Moi, je vais lire ça comme ceci. Au commencement était le Logos. Et le Logos était avec Elohim. Et le Logos était Elohim. Vous comprenez? Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Amen. 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 La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y a un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Est-ce que vous comprenez que cette lumière, c'était une personne? Amen. Amen. Elle était dans le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, mais ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Plein de grâce et de vérité. Cette lumière-là, c'était une personne. C'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui a dit, je suis la lumière du monde. Amen. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et qui était-il? Il n'était rien d'autre que la parole promise de Dieu rendue manifeste. Amen. Quand Dieu dit quelque chose et que cette parole s'accomplit, cette parole devient une lumière. Amen. Parce que vous comprenez exactement ce que ça veut dire. Amen. Amen. Donc, quand vous suivez la parole que Dieu confirme dans votre temps, vous marchez dans la lumière. Exact. Amen. Amen. Pourquoi il était la lumière? Parce qu'il était l'accomplissement de la prophétie qui avait dit une vierge concevra. Amen. Il était l'accomplissement de la prophétie qui avait dit que quand le Jéhovah viendra, il va marcher et que les aveugles verront. Mmh. Les boiteux vont marcher, les sourds vont entendre, les muets vont parler. Ça, c'était l'accomplissement, c'est pourquoi il était cette lumière. Amen. Ça, c'était en Orient. Malachie 4 dit, quand le soleil de la justice se lèvera, vous qui avez la crainte des moments, se lèvera avec le soleil et la guérison sous ses ailes. Mais quelles sont les ailes du soleil? Avez-vous déjà vu le soleil avec des ailes? Mais les ailes ne sont rien d'autre que les deux extrémités dans lesquels le soleil se déplace. Amen. Parce qu'il commence la course vers le soleil levant et il achève sa course vers le soleil couchant. Et vous comprenez? Amen. C'est de l'est vers l'ouest. En d'autres termes, il y aura un peuple qui va voir la grande lumière de Dieu s'élever du côté oriental, et puis il y aura aussi un peuple qui aura la lumière du côté occidental. Et vous êtes avec moi. Amen. Donc il y a des promesses que Dieu a faites dans la Bible qui concernent le peuple de l'Orient. Et puis il y a aussi des promesses que Dieu a faites qui concernent le peuple de l'Occident. Amen. Maintenant, Dieu nous dit par Esaïe, il dit que sur toi tu as vu la lumière s'élever. Amen. Maintenant, je parle d'abord pour le peuple de l'Orient. Ceux qui ont vu Jésus-Christ s'élever et tout ça, c'était la lumière à leur époque. Eux, maintenant, à leur tour, ils devaient maintenant briller, rayonner par rapport à la lumière qu'ils ont vue de leur temps. Amen. Voilà pourquoi c'est lui qui était la lumière, la grande lumière de ce
dans Matthieu chapitre 5. Il monte sur la montagne de béatitude. Et vous êtes avec moi? Sur cette montagne, il commence à leur raconter des choses. À vous qui avez vu la grande lumière s'élever, vous qui avez cru à la lumière du jour, il dit, heureux, je commence à partir du verset 10, Matthieu 5, verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Quand tu es persécuté parce que tu mènes une vie de justice, tu veux ce qui est correct, tu te soumets à la parole de Dieu, les principes de la parole de Dieu, c'est ce qui tient à ton cœur pour obéir. Dieu dit que sache que le royaume des cieux est déjà à toi. Amen. Amen. Estime-toi un homme heureux. Amen. Même si les gens vont dire ceci, cela, peu importe, mais sache que par amour que tu as pour la parole de Dieu, que le royaume de Dieu, tu es déjà un homme heureux. Le royaume de Dieu est déjà à toi. Amen. Tu n'as pas besoin d'attendre les derniers jours. Maintenant même, tu peux savoir si le royaume est à toi ou pas. Amen. C'est le Seigneur Jésus qui a dit cela. Amen. Il dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. Ah, mais celle-là, elle est comme ça. Celui-là, il est comme ça. Ah, d'ailleurs, eux, tous, on te critique, on fait tout ça parce que tu as pris la décision de suivre le Seigneur. Parce que tu as pris la décision d'abandonner les mauvaises compagnies et les mauvaises compagnons. Parce que tu as pris position, tu as entendu la parole qui a touché ton cœur. Tu as pris la décision d'obéir à la parole de Dieu. Et tes amis, tes copines ou tes copains commencent à te critiquer. Amen. Jésus dit pour toi, estime-toi une personne heureuse. Amen. Amen. On va tout trager. On dira forcément de vous. De toutes sortes de mal à cause de Jésus-Christ. À cause de moi. Verset 12, Matthieu 5 dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Frère, parce que tu as abandonné des mauvais, des maquillages, des pantalons, des histoires sexy, tout ça, pour te couvrir correctement ton corps, obéir à ce que la parole de Dieu demande, comme font les bons chrétiens et tout ça. Et toi, les chrétiens, parce que tu mènes une vie correcte et tout ça, les gens commencent à te critiquer. Des nouvelles vont sillonner tout casa, tous les mamans. Mais celle-là, mais celui-là, vraiment, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Depuis qu'il commence à entendre ces prédicateurs-là, ces gens-là, ah, c'est pas la mise-là, vraiment. On va dire beaucoup de choses. Mais toi, tu comprends, ce n'est pas à cause des pranons, à cause de Dieu, mais c'est à cause de Jésus-Christ. Amen. Et quand tu prends position pour la parole de Dieu, on dira n'importe quoi, mais Jésus-Christ dit, tu as une grande récompense au ciel. Amen. C'est ce qui t'attend. Alors estime-toi déjà un homme heureux. Quand tu entends que, tu sais, on commence à te critiquer là-bas. Tu es passé à cette église, c'est fini. Vraiment. Toi qui portais vraiment des vêtements de taille, tu étais sexy, tu étais. Vraiment, tu vas dans cette église là. Oh, c'est fini. Vraiment. Oh. On va tout dire pour te décourager de suivre la parole de Dieu. Mais Jésus dit, j'ai une récompense pour toi au ciel. Amen. Et quand Jésus dit ça, il dit que le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Amen. Il dit que considère la parole de l'homme comme un mensonge, mais ma parole c'est la vérité. Amen. 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 Et Jésus dit que quand tu fais ça pour lui, non pas pour ta gloire, tu comprends que la gloire pour toi, c'est rien, parce que celui qui aime le monde et les choses du monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Tu prends ta vie, tu donnes ça à Christ. Alors lui qui est la lumière commence à rayonner. Écoutez maintenant, il dit, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Amen. Et le Seigneur ajoute, il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Jésus-Christ, la grande lumière, tellement que vous croyez en lui, vous marchez avec sa parole. Il dit, non, ce n'est plus à moi d'illuminer la terre. Les véritables illuminants, c'est nous. Amen. Amen. Ah, là, c'est trop fort. Quand tu crois la parole de Dieu, tu commences à vivre des choses extraordinaires. On va dire que tu es magicien, vrai ou faux? Amen. On va dire que celui-là, c'est un gars, il est mystique. Nous, nous sommes les mystiques des mystiques. Amen. Est-ce que vous savez que Daniel était le plus grand mystique des magiciens de l'époque? Amen. Amen. Lui,
on a mis le chef de tous les féticheurs, les sorciers, les magiciens. Lui, il était au-dessus parce qu'il était le grand mystique. Amen. Amen. Et nous, avec le Seigneur Jésus, nous sommes les grands mystiques. Amen. Amen. C'est pourquoi, quand si tu vas dans Rose Croix, Jésus, on l'appelle grand maître. Mm-hmm. Si tu vas dans ceci, on le met toujours au-dessus de tout ça. Et quand toi, tu es avec Jésus-Christ, mais tu es le grand mystique. Amen. On ne te comprend pas. Voilà pourquoi on vous persécute. C'est vrai. Amen. Quand toi, tu vas avec ton... Parfois, les chrétiens ne savent pas ce qu'ils sont. C'est vrai. Quand tu mènes une vie de consécration, peut-être ce sont les sorciers qui voient ça. C'est vrai. Ou les gens des autres qui ont voilà, eux, ça, dans leur domaine, ils peuvent percevoir ça facilement. Amen. Mais toi, quand tu mènes ta vie de prière, normalement, tu ne sais pas, tu es un peu naïf de ce qui est en toi. Amen. C'est pourquoi tu vas au travail, tu vois seulement ton chef te persécute, tout ça. Tu ne penses même pas, mais pourtant je fais bien, je respecte tout ça. Ce n'est pas de ça qui te combat. Il combat une autre lumière qui est en toi parce que au fur et à mesure ta lumière est grande, c'est toi qui es censé dominer. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi les chefs des nations, les présidents, ils vont dans des mystiques bizarres pour dépasser tout le monde. Amen. Le jour où il va trouver que dans son pays, il y a un grand mystique et lui, doit se courber devant cet homme-là, il sera obligé de s'incliner. Amen. Or, lui veut que tout le monde s'incline devant lui. Du coup, il va prendre la mystique de, je sais pas moi, de l'islam, de franc-maçonnerie, des catholiques, des indiens, des hindous, de tout ça, pour rester toujours au-dessus des gens. Est-ce que vous comprenez? Et quand il est au-dessus de vous tous, il sait qu'il peut vous dominer. Mais quand toi tu es au-dessus de ton chef, dans une autre dimension, tu vas lui donner des ordres. Exact. Et quand lui doit s'incliner devant tes ordres, alors que celui le président, alors qu'il devient chef de qui? Voilà. Et vous les chrétiens, vous ne savez pas que vous êtes des dieux. Amen. Je dis que j'avais dit, vous êtes des dieux. Amen. Si Dieu est la lumière, vous êtes des lumières. Amen. Et vos lumières doivent briller. Amen. Partout où vous allez là, dans les centres d'appel, ces gens-là, ils sont dans des loges, vous Amen. Ne savez pas. Ils sont dans des histoires mystiques, vous ne les savez pas. Exact. Maintenant, quand toi tu vas, innocent et tout ça, tu vas seulement là-bas, lui il voit bon. Celui-là, qu'est-ce qu'il veut montrer celui-là? Tu vois seulement des ordres compliqués, des bâtons dans les roues et tout ça, jusqu'à ce que soit on va te pousser à la démission ou bien on te licencie et qu'il puisse rester maître du terrain. Amen. Vous n'allez pas les savoir, mais le temps est venu, vous devez savoir qui vous êtes. Amen. Quand tu sais que je suis la lumière, tu vois là-bas, tu vois, il y a maintenant des batailles, tu vérifies d'abord. Ces batailles, est-ce que je ne fais pas correctement mon travail? Non. Côté travail, là, je n'ai pas de soucis. Mais est-ce qu'il y a un souci? Non. Alors, entre dans une autre dimension. Exact. Ne reste plus intellectuel. Entre dans une autre dimension que l'intellect ne peut pas gérer. Amen. Là, c'est la dimension du surnaturel. Amen. Et quand tu entres dans cette dimension-là, tu peux commencer à gronder ton chef. Amen. Alors, vous n'allez pas me croire. Tu vas commencer à lui parler des choses que lui-même il recevra à la bouche B. Parce que côté travail ne peut pas te clouer. Côté ceci ne peut pas te clouer. Alors tu lui parles parce que tu l'as détecté. Amen. Et quand tu lui détectes, tu lui dis, frère, c'est comme des sorciers, non? Non. Quand tu vois les sorciers, tu commences, ah, on a arrêté tout ça. Il devient comme un Yéza. Il est là, il ne sait plus quoi dire, tout ça, parce qu'on l'a attrapé. Amen. Et quand toi tu discernes tel esprit et tout ça, alors, sois sévère, résister au diable. Là, tu lui parles avec autorité parce que tu sais que ce n'est pas toi qui parles, mais c'est le grand chef qui parle. Amen. Quand tu résistes au diable, tu discernes, tu vois tout ça, alors tu lui résistes, tu lui donnes l'ordre. Amen. Va-t'en, Satan. Arrière de moi, Satan. Amen. Le diable va tout faire t'amener dans la chute, dans tel péché pour t'accuser. Non, tu sais pas, tu as fait ça. Tu sais pas, ton Dieu là n'aime pas ça. Et tout ça. Et là, quand tu verras je suis coupable, alors tu commences à trembler. Mais quand tu sais que ta vie avec Dieu est en ordre, et que le diable veut t'échouer, tu vas donner les ordres à Satan. C'est vrai. Il a dit, Satan, arrière de moi. Tu m'accuses de ça, Jésus est mort à la croix, tu n'as pas vu ça? Il a payé le prix pour moi. Moi, je crie en lui, et j'ai déjà arrangé avec lui. Maintenant, toi qui me poussais à faire ça, je ne veux plus de toi dans ma vie. Sors de ma vie. Arrière de moi, Satan. Amen. Et moi, en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, je possède la promesse. Amen. Et je revendique la promesse de Dieu parce que c'est mon héritage. C'est cela. Et quand tu commences à connaître les promesses de Dieu pour toi, tu les revendiques, frère. Tu deviendras
un mystique. Amen. Parce que le diable fera tout pour te défier des promesses de Dieu. Toi, tu diras que moi, je vais m'accrocher à la parole de Dieu. Ce que Dieu promet, c'est ça ma vie. Ce que Dieu me demande de faire, je le fais d'abord pour être en ordre avec Dieu. Maintenant, je vais commencer à réclamer à Dieu ce qu'il va. C'est comme une fois, il y a un témoignage. Il y a une soeur avec son mari. Son mari, au travail, on ne leur paye pas. Il fait bien son travail. Mais à la fin, le chef ne veut pas lui donner tout l'argent. Il faut toujours lui donner une portion. Une portion. Le mari voulait trouver ça normal parce que c'est comme ça qu'on faisait avec les autres. Sa femme dit, non, non, écoute, toi tu es chrétien. Toi tu es marié. Et puis tu vis ta vie chrétienne normalement. Ce n'est pas normal que ton chef ne puisse pas te payer correctement tout ton argent. La soeur va voir ton pasteur. Regarde ça, 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 ça. Ce n'est pas normal, nous avons prié. J'ai dit, ah, mais ça, c'est une bonne attitude pour la sœur. La sœur et son pasteur, ils ont prié. Dès qu'ils ont prié, vous savez la suite. Le dossier était réglé le mois du suivant. Ça n'a même plus attendu d'autres mois. Directement, il dit, non, le problème est résolu. Pour lui, le chef commençait à payer correctement. Amen. Alors que pour les autres, ça continuait toujours à traîner. Pourquoi? La sœur a compris que ça, c'est mon droit, c'est mon héritage. Je suis dans le droit de revendiquer ce qu'il y a. Amen. Et si toi, tu es chrétien, il ne faut pas trouver normal ce qui n'est pas selon l'ordre là-bas. Non. Il faut comprendre les choses qui ne vont pas dans votre vie pour dire que je ne peux pas trouver ça normal, rester seulement comme ça. Non. Il faut que ça change. Amen. Et quand tu trouves que ça change, tu peux revendiquer. C'est vrai. Pourquoi nos pays-là sont tout le temps sous-développés? Parce que même ceux qui sont là-bas, ils trouvent ça normal. Je suis né dans des pays du tiers-monde. J'ai grandi dans des pays du tiers-monde. Je n'ai jamais pensé comment les choses vont mieux qu'ailleurs. Mais tu vas trouver ça normal. Mais quand quelqu'un va sortir, il voit qu'ailleurs, il y a mieux que ce qui est chopé maintenant. Quand tu rentres, mais pourquoi il n'y en a pas? Pourquoi ça, il n'y en a pas? Alors ça ne va pas, ça met les gens à révolter. N'est-ce pas? Pourquoi non? Mais chez nous, on a plus de potentialité, on a plus d'argent, on a plus de richesses, mais pourquoi ça ne va pas? Il faut se poser cette question. Quand on dit non, ça va, c'est toujours comme ça depuis longtemps, c'est quand il va changer des choses, tu ne vas jamais décoller. Mais pour s'améliorer, regarde là où les autres sont mieux et regarde là où tu es. Regarde qu'est-ce que tu peux mettre en place pour que ça s'améliore. Amen. Si dans le naturel, les pays qu'on appelle aujourd'hui émergents, bien en voie de développement, agissent comme ça, qu'en est-il dans les spirituels? Je vois que mon frère, c'est comme ça, il prie, il lit la parole, il va à l'église, et son expérience avec Dieu évolue. J'ai des témoignages, je vois tout ça. Mais moi, pourquoi ça ne change pas? Il n'est pas seulement le Dieu de ses frères-là. Il n'est pas seulement le Dieu de ses pasteurs-là. Il n'est pas seulement le Dieu de cette église-là. Il est aussi mon Dieu. Amen. Alors si ce Dieu-là travaille avec lui, parce que ses frères-là s'est discipliné, il a obéi à la parole, c'est que ce Dieu-là peut faire aussi quelque chose pour moi. Amen. Alors, que dit Dieu par rapport à ma vie dans sa parole pour qu'il puisse agir dans ma vie? Ah, mets ça en ordre, mets ça en ordre. Ah, d'accord, je vais commencer à mettre ça en ordre. Je vais commencer à prier, je vais commencer à aller à la prière. Je vais commencer à me consacrer, lire la parole de Dieu, prier, et tu vas commencer à constater, il y a des changements. Il y a tout ça, mais au fur et à mesure que tu t'éloignes de la lumière, au fur et à mesure que tu te rapproches des ténèbres. Amen. Parce que les ténèbres, c'est quoi? C'est l'absence de la lumière. Amen. Les ténèbres n'est pas une création. Dieu n'a jamais créé les ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Mais l'absence de la lumière apporte automatiquement les ténèbres. Amen. Tant que tu t'éloignes de la lumière, tu te rapproches directement des ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu te rapproches de la lumière, les ténèbres vont fuir automatiquement. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi la Bible dit, beaucoup de gens, je vais venir dans votre église pour une séance de délivrance. Oui, c'est bien. La séance de délivrance, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Pour être délivré, on va t'apporter assez de connaissances de la vérité. C'est à la vérité de faire la séance de délivrance. Amen. Parce que c'est la vérité qui va vous affranchir. Amen. Quand tu connais la vérité et que tu ne veux pas obéir à la vérité, c'est cela la condamnation. Exact. Et savez-vous? Amen. Allons rapidement dans Hébreux chapitre 6, verset 26.
Bien, Hébreux chapitre 6. D'abord. Après, je vais vous dire quelques déclarations du prophète. Hébreux chapitre 6. Nous commençons à partir du verset 4. Hébreux chapitre 6, verset 4. Vous êtes avec moi? Allons-y. Ah, j'ai beaucoup parlé, on va bientôt sortir. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés. Vous êtes avec moi? Amen. Qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Ils ont compris. Amen. Celui qui a déjà été éclairé, celui qui connaît la vérité, celui qui a pris position pour la parole de Dieu, qui a entendu oui, le message de la vérité et tout ça, mais qui refuse de croire, qui refuse de marcher avec cette lumière, pour cette personne, Dieu dit, c'est fini. Il ne peut plus revenir encore à la repentance. Ils ont compris. Parce que il va se repentir sur base de quoi? Il sait ce qu'il faut. Il a même entendu, il a même goûté, il a même vu que c'est la vérité. Mais, de son cœur, il a rejeté. Pour Dieu, il dit que tu es en train de crucifier déjà Jésus-Christ. Amen. Tu l'as crucifié, déjà la croix, il était crucifié, mais toi, tu le prends encore, tu le crucifies encore. Mm-hmm. Alors, la finalité, c'est être jeté au feu. Amen. On ne va plus te prêcher, oh, frère, répands-toi, répands-toi. Qu'est-ce qu'on va te dire? C'est toi qui vas même exhorter l'autre pécheur. C'est cela. Mais tu sais, ça, c'est la vérité. Hein, tout ça. Pourquoi même toi-même tu ne crois pas? Pourquoi tu ne vis pas ça? Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais c'est différent d'un païen qui était dans le monde, qui ne connaissait pas quelque chose, mais qui a entendu et qui a cru. Est-ce que vous comprenez? Et qui vient et qui a encore des hauts et des bas. Celui-là, on peut l'encourager, continuer la marche. Mais ici, Paul dit que celui qui est dans ça, il a déjà crucifié Christ. Est-ce que vous comprenez? Il n'a même pas trahi. Judas, lui, il a trahi. Mais ici, il a, pour être crucifié, il y a d'abord la trahison, l'exécution, après la crucifixion. Et c'est ce qui se passe ici. Donc quand tu entends la parole de Dieu, tu vois que c'est la vérité, Dieu a déjà touché ton cœur et tout ça. Si tu as des hauts et des bas, va vers le Seigneur pour dire, Seigneur, ta parole dit ça, mais je ne vois pas ça encore dans ma vie. Je viens pour prier, pour que cette lumière, cette parole que j'ai entendue puisse commencer à rayonner en moi. Donne-moi la grâce de vivre ta parole. Amen. C'est toi qui produis en moi le vouloir et le faire. Je ne veux pas te crucifier dans ma vie. Mais je veux prier pour être le sel. Vous savez, le Seigneur dans Matthieu 5, il rajoute, il dit, vous êtes le sel de la terre. Vous savez ce que fait le sel? Le sel crée la soif. Quand quelqu'un prend quelque chose de salé pour diminuer un peu, vous savez ce qu'il faut? Il faut boire de l'eau. N'est-ce pas? Amen. Quand tu deviens le sel, tu donnes aux autres envie d'aller boire l'eau de la vie. Amen. Ta vie est tellement remplie de vertus que les autres ont même soif de venir entendre ton Dieu là. Amen. Les autres ne savent pas, mais toi tu pries dans quelle église? Mais ta vie n'a jamais amené quelqu'un à avoir soif de Dieu. Ça c'est quelle vie? Depuis que tu as cru, combien de gens tu as invité, influencé pour venir à Dieu? Est-ce que ta vie a donné aux autres envie de chercher Dieu ou bien ça les a dégoûtés d'aller vers ton Dieu? Le monde veut voir les fils et les filles de Dieu manifestés. Ceux qui ont entendu la parole de Dieu et qui disent que non, ce que tu entends là, ce qu'on te prêche là, j'aimerais aussi vivre comme toi. J'aimerais aussi venir dans ton église. C'est là où nous sommes. Ce n'est plus le temps d'être des membres des églises, mais d'être des membres qui donnent aux autres envie de venir vers le Dieu véritable. Amen. Quand tu vois ton frère dans le péché, frère, tu sais, moi aussi j'étais comme ça. Mais
C'est Dieu là m'a fait grâce. Amen. Je n'arrivais pas à abandonner ça. Je n'arrivais pas à laisser ça. Je n'arrivais pas à me débarrasser de ça. Mais depuis que j'ai prié, j'ai pris la décision ferme de demander la grâce de Dieu, de prier sincèrement. Non, ça n'a même pas mis du temps. Le Seigneur a fait ça. Il a fait ça. Il a fait ça. Et je crois que Dieu peut aussi t'aider. Amen. Au lieu que ça soit un sujet de moquerie, de critique, non. Nous tous, nous étions dans les péchés. Amen. Mais la grâce, la lumière de Dieu nous est parvenue. Mm. Nous avons entendu la lumière. C'est sur toi que le soleil s'est levé. Amen. Maintenant, c'est à ton tour. Jésus dit que tu m'as vu le soleil, non? Tu as entendu ma parole. Maintenant, toi, je fais de toi la lumière. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Vous qui avez vu Malachie 4 s'élever, vous qui avez vu le grand soleil de la justice s'élever, vous qui avez vu la colonne de feu confirmer son prophète, c'est des promesses du temps de la fin. Amen. Quand vous voyez ça, il est le soleil de la justice qui doit apparaître dans les derniers jours. Amen. Quand vous voyez sa lumière s'élever encore en Occident, vous avez vu le Fils de l'homme manifestant la chair humaine. Les 19 a dépensé la parole rendue manifeste. Malachie 4 accompli. Pour le peuple de l'Occident, c'est le temps du soir. Parce que vous allez bientôt partir dans la gloire. Amen. Maintenant, vous êtes parti dans la gloire. Lève-toi, sois éclairé. Amen. Parce que tu comprends. Maintenant que tu changes d'âge, investis en toi encore dans la lumière. Amen. Investis-toi dans la cause de Christ. Amen. David a dit, j'ai été jeune, je vieillis, je n'ai jamais vieilli, juste abandonné. J'ai pris position pour la parole de Dieu. Dieu a dit, voici l'homme selon mon cœur. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de haut et de bas. Mais la grâce de Dieu sera là pour t'élever. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main. Je l'aime. Si tu l'aimes dans ton cœur, même si tu faillis, il va te relever. Tu vas continuer. Je dis, Seigneur, je suis comme là-bas. J'ai entendu le conseil du monde, les salut du monde. Maintenant, frère, je veux marcher avec toi. Amen. Tiens-moi dans ta main. Alléluia. La main de Dieu, c'est le ministère. Amen. La main de Dieu, c'est le messager. Amen. Et savez-vous? Amen. Dieu a dit que à Israël, à Abraham, je sortirai, ta postérité sera dans un pays étranger. Ils seront asservis par une nation et tout ça, et je leur délivrerai par ma main. Qui était la main puissante. Oui, Jésus. Et vous comprenez? Et la main de Dieu a cinq doigts. Amen. Et vous comprenez? Amen. Il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des docteurs, il y a des pasteurs, des évangélistes. Amen. Tous pour le perfectionnement des saints. Amen. Il va te conduire dans sa main immuable. Tiens la main immuable de Dieu. Tiens la parole de Dieu. Tiens le message de l'heure. Marche avec. Amen. C'est cela la lumière du soir pour Alléluia. Toi. C'est que le prophète dit, prends ça, c'est cela la lumière et mets ça dans ta vie. Amen. Tu deviendras la lumière. Amen. Dans ton quartier. On n'allume pas la lampe pour le mettre sous le boisseau. Amen. Dieu ne peut pas toucher ton cœur à croire à sa parole et cacher ta vie de chrétienté. Mmh. Si tu as honte de Christ dans ta maison, dans ton appartement, dans ton foyer, Christ aura honte de toi. Amen. Mais il veut que tu sois au-dessus et que les gens voient la vérité au travers de toi. Amen. Ce n'est pas pour rien qu'il a touché ton cœur. Il veut amener notre membre de ta famille à croire par toi. Mmh. Il veut amener d'autres copines autour de toi à venir à Christ par toi. Amen. Dans ton école, il veut que quand ton changement sera perçu par les gens, que ça touche aussi les autres. Amen. Que non, tu sais, j'ai vécu cette vie-là comme vous, hein, mais maintenant je comprends que ça ne m'a rien apporté de plus. Amen. Mais je donne ma vie au Seigneur maintenant. C'est cela. Ce qui t'en fout de choisir, comme a dit Josué, choisissez qui vous voulez servir. C'est cela. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Et ton corps est aussi une maison pour les saints. Alors prends ta décision. Ne faut pas marcher sous l'influence des copains, copines et tout ça, mais marche sous l'influence de la parole. Car Christ est la vie éternelle. Amen. Le monde sera bientôt détruit. Alors prends position pour le Seigneur. Lève-toi, marche, que les gens voient ta lumière et qu'ils te suivent. Amen. Ils ne vont pas te suivre, mais ils vont suivre le Seigneur qui est en toi. Parce que ta lumière va influencer beaucoup de gens. Peut-être toi tu ne sauras pas, tellement que tu vis la parole de Dieu, tu vis correctement et tout ça, les gens t'observent sans que tu le saches. Mm. Tu prêches beaucoup de gens sans que tu le saches. Mm.
Et un jour, tu verras seulement quelqu'un venir à l'église. Mais comment tu as cru? Non, un tel, il m'avait marqué, tel frère, telle soeur, elle m'avait tellement marqué que par sa façon d'être et tout ça, je l'ai observé, non. J'ai décidé d'aller d'abord écouter dans leur église. Et en écoutant, j'ai compris que c'est la vérité, c'est qu'on leur prêche. Et tu gardes une vie, une âme pour le Seigneur. Mais si tu t'habilles mal, tu te comportes mal, les autres aussi t'observent, ils t'observent, et tu éloignes les gens de Dieu. Amen. Pourquoi tu n'es pas pris vos gens là, vos frères là, vos soeurs là, et tout ça, non, je ne peux pas le dire là-bas, parce que c'est n'importe quoi. Mm-hmm. Pourquoi? Parce qu'on t'a observé, et ta vie a éloigné. Mm-hmm. Mais nous parlons que ta lumière nuise. Amen. Amen. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et resplendis. Rayonne. Amen. Dans ton quartier, dans ton travail. Donc, on va t'appeler même du nom de pasteur, de tous les noms, pour te décourager. Mais les gens sauront. S'ils ne croient pas, c'est leur condamnation. Amen. Parce que par toi, tu peux amener les gens au salut. Et par toi, tu peux condamner les hommes. Parce que ta vie enseigne, parle beaucoup plus que ce que tu dis. Est-ce que vous voulez savoir? Amen. Nos vies parlent beaucoup plus fort que nos paroles. Les gens, vous savez, même l'accoutrement parle beaucoup. Une femme qui s'habille d'une manière sexy, en d'autres termes, elle appelle des gens à la convoiter. Sans qu'elle ne demande aux gens de la convoiter. C'est bon. Elle s'habille seulement d'une certaine manière et elle envoie des messages automatiques. Ça passe. Et tous les hommes qui vont la convoiter commettent adultère. Amen. Vous comprenez? Amen. Et de la même manière qu'il en est ainsi dans le côté négatif de Satan, quand tu t'habilles d'une manière correcte, tu marches d'une manière correcte, tu as un bon comportement, tu envoies aussi des messages autour de toi. Mm-hmm. Regardez comment une fille de Dieu peut s'habiller. Mm-hmm. Regardez comment un fils de Dieu peut s'habiller. Regardez comment un fils de Dieu peut se comporter. Sans que tu ne parles, mais ta vie parle plus fort autour de toi. Amen. Et les gens qui ont des problèmes viendront demander conseil au Seigneur. Amen. Comment je peux faire tout ça? Toi, sans que tu le saches, ta vie t'a tellement dégagé de vertus que ça attire les gens vers toi. Ça attire les gens et tu leur conseilles vers la parole. Regarde ce que dit la parole. Regarde ce que dit la parole. Ah bon? Ah, mais c'est vrai, hein? Et tout ça. Sans que tu fasses trop de bruit, demain après demain, la personne prend la décision de suivre le Seigneur. Demain après demain, la personne prend la décision de son baptême. Demain après demain, tout ça, c'est quoi? C'est toi qui as rayonné. Et ta vie a porté beaucoup plus de ça. Et c'est ce que le Seigneur te demande à toi et à moi. Que ta lumière brille. Dieu t'a amené à croire ce message, à croire cette parole. Non pas pour que tu gardes le message en dessous du lit, ou des projets, tout ça, non. Mais pour que tu vives ce que tu entends et ce que tu lis. Que tout le monde sache que toi tu es un chrétien, que tu es une chrétienne. Et que ta vie doit être une lumière, un exemple. Parce que la lumière, c'est la parole. Amen. Ta lumière doit être la parole que les gens doivent voir autour de toi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes chers. Amen. Amen. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière est venue. Nous sommes au temps de la lumière du temps du soir. Amen. Dans le message Shalom, frère, parlant d'une chose. Jésus est venu. Deux lumières ne peuvent pas briller au même moment. Il ne peut pas y avoir la lumière de l'église et la lumière de Dieu qui brille au même moment. Ça doit être la lumière de Dieu qui était la lumière de l'église. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Dieu sépare les histoires de l'église d'avec sa lumière, de sa parole promise pour cette heure dans laquelle nous vivons. C'est la vérité, mon ami. Il se peut que vous ne vouliez pas croire cela, mais attendez tout simplement et voyez si c'est vrai ou pas. N'attendez pas, vous verrez mieux d'y entrer maintenant même, pendant qu'il y a une possibilité d'entrer. La parole est la lumière lorsqu'elle est confirmée. Amen. Si la parole promise pour les jours n'est pas confirmée, elle n'est pas la lumière, c'est impossible. Amen. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière et que la Dieu a dit que la lumière soit et que le soleil ne soit pas venu à l'existence, il n'y aurait pas eu de signe de lumière. Amen. Mais Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Lorsque Dieu a promis un Messie, le Messie est venu, alors sa parole a été accomplie et il était la lumière de l'heure. Amen. Il a promis Apocalypse 10, Malachie 4, Hébreux 13, 8, Jean 14 et 12. Toutes ces promesses Amen. Sont accomplies
et alors c'est devenu pour nous des lumières. Amen. Il a promis aussi des fils de Dieu doivent être manifestés. Amen. C'est nous qui sommes ses fils. Quand nous commençons à les fils de Dieu, quand Dieu est la parole, on remplace Dieu par la parole. Mm-hmm. Et vous comprenez? Les fils de la parole. Amen. Les filles de la parole. Ah, elle veut faire ceci, c'est d'abord la parole. Il veut faire ceci, c'est d'abord la parole. Quand on commence à voir des gens qui marchent avec des principes de la parole de Dieu dans leur vie, alors c'est Dieu qui est manifesté dans leur vie. Alors, vous devenez vous-même des lumières. Alors, partout où nous sommes, nous devenons une lumière. Et là, on parlera de votre église comme étant une église lumière. Et les gens aimeront venir dans votre église. Et les gens aimeront vous inviter pour que vous leur parliez de Dieu. Et les gens aimeront être à côté de vous pour que vous puissiez prier pour leurs problèmes. Les gens ont beaucoup de problèmes ici au Maroc, beaucoup de problèmes dans la vie, mais ils veulent voir des gens que Dieu peut exaucer. Amen. Amen. Qui est-ce qui peut exaucer ceci si ce n'est pas toi qui lui as donné sa vie? La Bible dit non, la main de l'Éternel n'est pas courte, c'est Ésaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dur pour entendre. Mais ce sont vos crimes et vos péchés qui voilent sa face, qui mettent des barrières, qui l'empêchent de vous écouter. Mais l'heure est venue où il veut nous entendre. Nous voulons crier pour lui, Seigneur, je vais être la lumière. Seigneur, je vais marcher dans ta lumière. Qui veut faire ce vœu-là pour lui, Seigneur, je veux que ta lumière luise dans ma vie. Je veux que tu viennes marcher en moi. Yeah. Que je ne vis plus par moi-même, mais que toi-même que tu viennes vivre en moi. Amen. Alors que nous nous levons pour chanter, prier. Saint-Denis,
lumière. Je lève ma main pour que tu m'aimes. Oui, viens, confesse le corps, ton roi Jésus. Jésus, la lumière du monde. Les causes du ciel sont devant Jésus. Jésus, la lumière du monde. C'est toi qui es la lumière. C'est toi la gloire. Quel peuple des habitants et des destinés de la gloire. Ce qui fait la langue de la majesté de la terre. Nous savons que la gloire, ô Seigneur Dieu, c'est toi qui es cette lumière dans la gloire, qui encore brille dans la gloire de la fin de l'éternel. En fait, Père éternel, éclairé dans le corps de Dieu. Dans le gloire, Seigneur Dieu, dans le gloire, tu as porté ton nom vers l'éternel, dans le gloire. Seigneur Dieu, dans l'éternel, nous venons vers toi, dans le gloire, dans l'éternel. Seigneur Dieu, dans le gloire, communique-nous encore cette énergie vers l'éternel, dans le gloire, cette puissance vers le gloire, vers l'éternel. En fait, que dans le gloire, nous soyons des sèches la terre, dans l'éternel, dans le gloire. Seigneur Dieu, dans le gloire, afin que nos bonnes œuvres dans le gloire, mon Père éternel, que nous puissions dans le gloire, influencer dans le gloire, les autres dans l'éternel, dans le gloire, à comprendre dans le gloire, qui tu es dans l'éternel, dans le gloire. Ô Seigneur Dieu, dans l'éternel, viens encore nous délivrer dans l'éternel, viens encore dans le gloire, et t'habites ta demeure en nous, Père éternel, dans le gloire. Ô Seigneur Dieu, Père éternel, merci. Enfin que Père éternel, nous puissions faire de gloire au Père éternel, le Fils des dieux, Père de gloire, le Fils des dieux, Père éternel, au Père de gloire, que le monde verra au Père éternel, au Père éternel. Ô Seigneur Dieu, Père éternel, nous attendons à toi, Père éternel, nous abandonnons à toi, Père éternel, viens Seigneur, Père de gloire, au Père éternel, remplis-nous encore de cette onction, Père éternel, au Père de gloire, et ta puissance, Père éternel, au Père de gloire. Ô Seigneur Dieu, Père éternel, afin que le monde va de gloire, soit Père de gloire, au bon Dieu, Père éternel, afin que nous puissions aussi, on sait, Père de gloire. Ô Seigneur Dieu, Père de gloire, le sauve, Père de gloire, nous nous abandonnons à toi, Père éternel, nous nous abandonnons à toi, Père éternel. Ô Seigneur Dieu, Père éternel, viens encore, Père de gloire, du bon Dieu, Père éternel, viens encore, Père de gloire, habiteur de Père éternel, sois loué, sois exalté, Père de gloire. Lève-moi, Seigneur Jésus, que je me tienne. Nous célébrer.
vivant.